Quand l'enfant sort, tandis qu'elle va rentrer dans une période où on appelle les douleurs. Dieu dit, je vais augmenter les douleurs. D'accord? Il y a les contractions, non? Les gynécologues disent non, c'est un doigt. C'est deux doigts. C'est combien de doigts? Et le mari, c'est même pas doigt là, c'est quoi? Il dit, tu fais quoi de ma femme là-bas, tes doigts? Il ne sait pas ce que ça veut dire. Il arrive, hein? Ce qui se passe, c'est qu'arrivé à un moment donné, le bassin de la femme va se large. Non. Dilaté. Je l'explique. Tu vois, quand tu as fait crevaison de pneu, tu prends clic et puis tu soulèves, et puis le pneu se lève au-dessus du ventre. Mm-hmm. C'est comme ça que ça se passe dans le ventre de la femme. C'est ça qui fait très mal. Les os, là, ça se. La femme, il y a une femme qui s'apprend, et ça, là, on dit pas ça à une femme. Quand elle va accoucher, là, hé, hey, mais chérie, ma fille, va. Une femme qui a accouché du pas à ça. À l'autre qui va accoucher, c'est qui se passe là-bas. Elle prend les gens. Là, le truc est là. Pourquoi elle crie? C'est parce qu'elle est en train de monter clic là. Ça la déboîte. Ça la extrêmement mal. Tu n'es pas une femme, tu ne peux pas supporter ça. Elle supporte ça à son extrême. Elle a la tête de l'enfant. Elle a deux doigts, voilà deux doigts. Mais la tête de l'enfant est comme ça. Pourquoi pas mettre les doigts? Mais elle supporte écartement là jusqu'à éclore. Elle pousse, elle pleure, pousse. Dans la douleur, quand l'enfant sort net, tout doucement, ça se remet en place. Malgré l'intensité de la douleur, on prend l'enfant pour mettre sur la poitrine de la. Tout de suite après, quand il sent ça là, automatiquement la douleur, là, il bouge. Le contact avec l'enfant apaise. Je vous assure, la femme est plus forte que l'homme. Ah, c'est vrai. C'est à cause du fœtus qui fait que la femme n'a pas les muscles. Tout se passe dans son bassin. Si une femme a fermé ses pieds comme ça, tu vas venir comment pour ouvrir. Il n'y a pas un homme qui peut ouvrir. Sauf si tu mets un coup de poing dedans. Ça c'est ça, c'est ça, merci là-bas. Elle pas la tête. Chacun a son lot. Tu as dit à l'homme, tu es poussière. Tu me dis là où ça? Il venait d'être évalué. Vous savez qu'il était quoi? Avant ça, il était quoi? Il était créé comment? Il était l'image et la ressemblance de Dieu. Mais qu'est-ce que le péché a fait? Qu'est-ce que la désobéissance a fait? Il est devenu quoi? Poussière. Donc Dieu l'a dévalué. Or, il a dit au serpent qu'il marchait sur ses pieds. Vous savez que le serpent, il est pieds, non? Vous savez ça? Et Dieu même, tu marcheras sur ton corps. C'est-à-dire que Dieu, tu vas plus marcher de manière verticale, mais de manière horizontale. Et Dieu dit, tu vas manger la poussière. Or, on sait que la nourriture, c'est pas la poussière. Mais qui? Dieu veut de mettre comme nourriture pour le serpent. Donc, c'est devenu maintenant possible. C'est pourquoi le diable a toujours accès à tous les hommes pour les dévorer. À cause de quoi? La désobéissance. Peut-être que ça va peut-être. Amen. J'ai entendu peut-être Dieu va changer ma vie. Mais ce qui me plaît, est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Il y a quelque chose que Dieu avait caché, qu'il n'a pas montré au diable. Il savait, Dieu savait que quelque chose allait se passer dans le ciel. J'ai vu un passage où on dit, où on parle du second Adam. Quel diable ça dans la Bible? Oui. Quel diable dans la Bible? Romain. C'est dans Romain, non. Je voulais chercher. Pas Romain. La Bible parle du second Adam qui devait venir. Romain 4, oui, Romain 5. Donc, il n'y avait pas un Adam. Dieu avait créé combien d'Adam? Deux. Il arrive. Et un autre passage, en parlant de Christ, dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc la vraie image de Dieu, c'est qui? Christ. Et qu'est-ce que Dieu a envoyé alors? Il a envoyé sur la terre dans le jardin à quoi? C'est de copier. Parce qu'il était derrière le type qui est là-bas. Lui, là, c'est pas quand Jésus va venir, il va d'abord devenir bébé. Pourquoi? Pour apprendre quoi? La Bible dit que bien qu'il fût fils, il a appris quoi? L'obéissance.
Mais l'homme là, il est né adulte. Pour dire que l'obéissant, ce n'est pas par imposition des mains qu'on devient obéissant. Ce n'est pas dans le jeu pour faire des prix pour l'obéissant. Garde dans la bouche, si tu n'as pas été obéissant, je vais être obéissant. Oh mon Dieu, mon roi, merci pour ce que tu as dit. Vous me demanderez par la foi et vous recevez. Je sais que Seigneur, quand je demande quelque chose, tu vas tout accorder. Alors, donne-moi l'obéissance, donne-moi l'obéissance, donne-moi l'obéissance, donne-moi l'obéissance. C'est bien pour ma tête de l'air. Mighty way de l'homme, je suis devenu obéissant. Merci Seigneur. Ça, c'est pas jamais. L'obéissance, ça prend. Comment? Dans les épreuves, dans la tentation. Adam était, il a échoué où ça? À l'école de l'obéissance. Là, Dieu amène à plus tard. Je n'ai pas dit que tu vois Adam dans le monde. Est-ce que Dieu va faire? Je vais m'arrêter là. Si on lit dans la parole, quelque chose va se passer. Venez au verset 20. L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme quoi? Verset 21. Et quand il y a quoi? L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. On est d'accord, non? Des habits de peau. Regardez Adam. Il a été caché où ça? Venez à Adam. Où se sont-ils cachés? Quand Dieu a dit Adam, où est-il? Il était où? Vous n'avez pas vu, il était quelque part. Derrière un arbre. Adam s'est caché derrière un arbre. Autrement dit, il s'est identifié à un arbre. Il a même fait une feuille pour mettre celui pour dire qu'il est arbre. Je suis plus l'homme. Il est arbre. La chute. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, quand on dit qu'il lui, Dieu a fait des habits de peau, question. Où Dieu a enlevé cette peau? Ça veut dire quoi? Il a tué la main. Quelqu'un devait mourir. Avant ta vie qui est mort. Quelqu'un est mort dans le jardin. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a caché au diable ce qu'il appelle le marron. Il ne savait pas. Avant ça, il vivait au ciel. Vous savez ça? Comment on l'appelait là-bas? Il a, l'ange de lumière. Il a essayé d'avoir de lumière une seule fois. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pourquoi Dieu ne lui a pas pardonné? Non, il est aigri. Donc lui, il pensait que quand quelqu'un désobéit net, et puis, il connaît ça. Il a poussé l'homme et la femme quoi, à désobéir pour que Dieu fasse quoi? Pour que Dieu les tue. Mais Dieu avait caché autre chose qu'on appelle le mal. Tu veux comprendre ça? Et on le retrouve dans Hébreux 3, verset 2. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Le pardon, Lucifer, c'est pas c'est quoi? Satan, c'est pas c'est quoi? Dieu va introduire le pardon. Mais il fallait que le sang. Donc Dieu a tué un animal dans le jardin. Maintenant, la Bible ne dit pas quel animal en réalité c'était. On ne sait pas, mais pour enlever la peau de quelqu'un, c'est ce que tu l'as fait. Ou bien, c'est pas comme ça. Donc, pour la première fois, le sang va couler. Et donc, l'animal était innocent, il n'a rien fait. Qui était coupable? Adam. Adam et puis qui? Dieu crée un autre principe. Combien de suivre? Le principe de la substitution. Celui qui est coupable va être remplacé par celui qui est innocent. Je vais juste faire dans l'obéissance. Qui était innocent? L'animal? L'animal. C'est ça, non? L'animal. Qui était coupable? Adam et Ève. Donc, l'homme. Dieu tue l'animal qui est. Donc, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quelqu'un est mort. Donc, il a pris la nature. C'est pourquoi il a enlevé sa peau. Comme lui donner une autre peau. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la Bible dit qu'il va prendre la peau de l'animal innocent pour faire quoi? Pour mettre sur les hommes comme papy. Donc l'homme n'est plus coupable, mais il est comment? Innocent. À cause de quoi? Du sang de l'animal. Je vous donne encore une autre explication.
l'animal, allez au ciel pour en demander à Dieu. Rappelez-vous quand on allait demander à Dieu, Seigneur, le pasteur va arrêter quelque chose. On va demander à Dieu, on va dire, Seigneur, moi pour la foi, je vais voir, parce que je suis qu'il y a eu un dialogue entre l'animal et Dieu. Mais c'est comment? Je veux quoi? Donc Dieu vient dire, regarde les animaux comme ça, et pourquoi il a rien dans le coin, même si tu sois comme ça. Est-ce que vous savez ça? Mais il y a un parmi les animaux là, qui est resté comme ça. Et puis Dieu est venu vers lui. Puis quand Dieu l'a pris dans son cœur, il a compris que il doit accepter de mourir. Parmi tous les animaux là, il y a un qui a compris. Mais Dieu lui a dit, dis-moi, j'ai dit que quel type mange il doit mourir. Mais je l'ai fait à mon image. Si je me tue, ça veut dire que j'ai cassé mon image. Je ne peux pas faire ça. Est-ce que tu acceptes de prendre sa place? Et il a mis sur le cœur, sur son cœur, sur le sujet de Dieu. Souvenez-vous, Henri de Manel. Et il y a le partant de son cœur. Vous savez comment il sait ça? Quand tu veux tuer, comme Moïse, Dieu lui a donné un commandement. À la fois la dernière prière, c'est quoi? Les enfants. Vous savez comment ils ont tué l'animal là? On le mettait dans la partie de ça. Il devait rester dans la maison. Il devait être un membre de la maison. Pendant 4 jours, regardez. Après, quand tu mets sa partie, la chaleur de ton corps et le battement de ton cœur, ça le rassure. Et puis maintenant, quand tu marches dans ta main, chacun venait la nuit dans les mains, il est rassuré. Avant, ça dit mon père est bête. Le battement du cœur de son tueur, le rassure et il est tranquille. Quand on le tue pour le manger, s'il si s'agite, sa bile devient amère. Donc la chair que vous avez mangée, elle va être amère. Donc il faut qu'il meure comment? Tranquille. Vous allez comprendre pourquoi à la fois Jésus souriait pour moi. Il ne pouvait pas être agité. L'animal a accepté son sort. Et dès lors, il est en train de donner une image de quelqu'un d'autre qui allait venir quelque part. Je vais m'arrêter là. Ton obéissance est la clé de ton bonheur. Ta bénédiction dépend de quoi? De ton obéissance à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.